En France, 38 millions de personnes ont choisi une mutuelle de la Mutualité française pour couvrir leurs besoins en santé. Premier financeur des dépenses de santé après la Sécurité sociale, les mutuelles prennent en charge 45% des soins courants qui ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale. Sans mutuelle, cela peut donc coûter très cher. Contrairement aux assurances, les mutuelles de la Mutualité française sont des sociétés de personnes à but non lucratif. Entreprises de l'économie sociale et solidaire, elles n'ont pas d'actionnaires à rémunérer et les décisions sont prises par des adhérents élus. En Pays de la Loire, la Mutualité française fédère 210 mutuelles de santé qui protègent 2 millions d'adhérents, soit un Ligérien sur deux. On l'oublie souvent, mais la Mutualité française, c'est aussi le premier réseau sanitaire et social à but non lucratif avec des services de santé mutualistes accessibles à tous. Plus de 300 sont disponibles en Pays de la Loire. Ils délivrent des services. Des soins. De l'accompagnement pour les familles tout au long de la vie. Par leur pratique tarifaire, ces services jouent un rôle de modérateur sur les dépenses de santé. En Pays de la Loire, la Mutualité française mène également des actions de prévention dans le domaine de la santé avec un objectif, rendre les personnes actrices de leur santé par des actions de sensibilisation sur la santé bucco-dentaire par exemple, les problèmes d'audition ou encore l'activité physique. Enfin, pour favoriser la qualité des soins et la maîtrise des tarifs, la Mutualité française Pays de la Loire développe des relations contractuelles avec des professionnels de santé. Portée par des militants mutualistes, la Mutualité française Pays de la Loire est impliquée dans plusieurs instances régionales de santé publique. Elle y défend les principes d'un système de santé accessible à tous. Au quotidien, la Mutualité française en Pays de la Loire, ce sont près de 7000 collaborateurs issus des métiers de la complémentaire santé, du médico-social et du sanitaire, mais aussi plus de 200 mutualistes bénévoles qui œuvrent ensemble pour une santé plus solidaire en région.